Ça se passe bien, je dirais, pour le moment. Je découvre aussi un peu tous les joueurs, les structures, les membres du club aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir. Demi-finaliste du top 14 avec le Racing, Lionel Nallet est arrivé au Loup hier, une semaine après la reprise. Muscu et course, la prépa physique de l'emblématique deuxième ligne a commencé plein pot. Et à 35 ans, Nallet n'a pas peur de découvrir la Pro D2. Ça fait 2-3 ans que je regarde un peu la Pro D2, puisqu'il y a des matchs qui sont diffusés à la télé. Il y a quand même, de manière générale, il y a une volonté des clubs et des joueurs de produire du rugby, de produire du jeu. Ça a quand même beaucoup évolué, donc non, j'avais pas de peur par rapport à ça. Le deuxième ligne au 74, sélection en bleu, a donc rejoint son ancien coéquipier à Bourgoin, puis au Racing, Sébastien Chabal, qui lui a déjà pris ses marques au sein de l'effectif lyonnais. Je trouve qu'il s'est intégré à une rapidité assez exceptionnelle. Voilà, après il bosse dur, et il encourage les autres l'encouragent aussi. Donc c'est plutôt positif. Le duo de choc est donc reformé pour un objectif ambitieux, la montée directe en top 14. Ne manquent plus que les deux internationaux, Leguizamone et Fatafei, ainsi que les deux Toulonnais, Dumora et Sibrech, pour que le Loup soit au complet.